Comment va Samy ? Depuis qu'on a reçu ton télégramme pour nous dire que tu rentrais, il est comme un fou. Et si l'avion s'écrase, et si le train a du retard, et s'il le rappelle ? Ensuite, il se plante devant la fenêtre de la cuisine et il sirote son whisky. Comme s'il s'attendait à devoir débouler sur le trottoir. Lui dis pas que je t'ai raconté tout ça. T'inquiète. Il ira mieux quand il t'aura vu. Depuis maman, tu sais comment il peut être. Tu te rappelles Marty et Ron Langford ? Ouais. Ils ont déménagé à Empire Bay un an après ton départ. Et ils ont commencé à fourguer de l'air. Ils m'appellent pour me demander si je veux quoi que ce soit. Je dis ok, moi l'argent facile, je suis pour. Bref, il y a un mois, Marty me dit qu'il passe à l'héroïne. Et qu'il a besoin de quelqu'un dans le quartier. J'imagine que ça a pas dû plaire à Samy. Je lui avais jamais dit pour l'air. Ça regardait personne. Mais ça, il fallait que je lui en parle. J'avais pas dit trois mots qu'il a commencé à hurler sur les fédéraux. À dire qu'on n'avait pas besoin que J. Edgar nous casse les couilles. Et quel abruti j'étais. Et que c'est honteux de vendre de la cam sous les yeux des enfants du quartier. On vend pas de cam aux enfants. Comme s'ils avaient du fric pour se la payer. Non, blague à part, l'héroïne, c'est du sérieux. Je connaissais deux, trois types au Vietnam qui en vendaient. Ils ont fini par défriser quelqu'un qu'il fallait pas. Et on les a retrouvés la gorge tranchée. T'inquiète. Je sais ce que je fais. C'est pour ça que j'en ai parlé à Georgie. Ça m'étonnerait que ça allait marcher là-dedans. Georgie dit qu'il sait comment faire pour que son père sache rien. On touche pas à Delray ni à Frisco. On se limite au quartier français. L'employé de Georgie dira que dalle tant qu'il bouffera au râtelier. Ça me plaît pas. Georgie est peut-être un type très cool, mais l'héroïne, c'est sérieux de chez sérieux. Il devient notre associé. Je suis sûr qu'il sera d'accord pour partager en trois. Je sais pas. J'ai besoin de rester un peu dans mon coin, histoire de réfléchir. Ouais. D'accord. Une fois que tu seras posé, je me disais qu'on pourrait aller dans ce nouveau club du quartier français. Tête à quatre. Avec qui tu veux que j'y aille ? Avec ta grand-tante Béatrice ? Oh la vache ! Tu sais que je l'ai vue par hasard torse nu un jour ? Oh. Cette femme a les nichons les plus terribles que j'ai jamais vus. On aurait dit deux vieux sacs de patates vides. Ouais, par hasard, bien sûr. Va te faire foutre, mec. J'ai eu de la chance de m'en tirer. Bref, t'iras avec Réjeanne. Réjeanne ? Allez, on va entrer par devant. Avec un héros comme toi, je vais pas passer par derrière. Regardez qui j'ai trouvé en train de faire la manche devant la gare. Salut, comment va ? Eh, hey, bonjour. Quoi ? Je t'ai demandé de ramener Linton Clay à la maison. Pas le grand nègre qui l'a bouffé. Cause toujours, le vieux. Au moins, là où j'étais, il savait cuisiner. Bienvenue à la maison, fils. Comment tu vas ? Plutôt bien, mais ça ira mieux quand j'aurai bu un bon verre. Ah, t'as toujours adoré le whisky de maïs. Je voudrais porter un toast. Mon père avait l'habitude de dire que la vraie valeur d'un homme se mesure à la trace qu'il laisse dans ce monde. La première fois que Lincoln m'a dit vouloir rejoindre l'armée, j'étais contre. Trop dangereux, j'ai dit. Laisse ces gens mener leur propre guerre, je disais. Et puis j'ai pris conscience que Lincoln avait besoin d'aller laisser sa trace. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Je suis fier de toi. Pour Lincoln, bienvenue à la maison. Pour Lincoln, bienvenue à la maison. Ah, content de te voir, Lincoln. Je t'ai gardé dans mes prières. C'est gentil, merci beaucoup, mon père. Et maintenant, qui veut se payer une bonne murge ? C'est difficile d'expliquer ce que ça fait, de revenir de la guerre. Euphorie, peur, culpabilité. Imaginez que vous êtes coincé dans une pièce sombre,
sans aucune issue. Toutes vos peurs et tous vos cauchemars sont enfermés avec vous. Aucune échappatoire. Vous êtes seul. On n'a pas un rond et on paie quand même pour toute cette foutue bouffe. Putain de merde. Surveille ton langage. On serait pas dans ce merdier si tu m'avais écouté. Quel merdier? Tu n'as pas à t'inquiéter de ça, Lincoln. Je gère la situation. Tu gères que dalle, bordel. Putain, mais ouvre un peu les... Pas à me répéter. Alors démerde-toi, vieil homme. Laisse-le. Il a besoin de se calmer. Tu peux m'expliquer pourquoi il est énervé? On a quelques problèmes avec les Haïtiens. Mais comme je t'ai dit, je gère la situation. La voiture est chargée et je crois qu'on a assez là-dedans pour... vous voulez que je vous laisse? En l'honneur de ton retour sain et sauf parmi nous, j'ai fait un don au père James. De la nourriture qu'il pourra distribuer aux familles qui en ont besoin. J'espérais que tu puisses m'aider, histoire de prendre la température du quartier. Cette histoire avec les Haïtiens, c'est sérieux? Bah, tu connais Ellis. Quelqu'un le regarde de travers, il lui saute à la gorge. Comme je disais, je peux revenir plus tard. Pas question. Lincoln a besoin de sortir. Profite de la journée. Et puis, ça vous fera du bien de passer un peu de temps tous les deux. Allez-y. Les gens attendent cette nourriture. Il m'est arrivé de revoir Lincoln quelques fois après son retour. Et il m'a dit qu'il voulait quitter la ville et aller en Californie. Il avait un ami de l'armée qui pouvait lui proposer un petit boulot au chantier naval de Merrill. De la soudure à tous les coups. En mode formation pour commencer, ensuite, le syndicat te laisse bosser. Annoncer la nouvelle à Sammy et Ellis? Pas encore. Je voulais attendre quelques jours avant de leur dire. Ça risque pas de leur plaire. Mais ils finiront par s'y faire. Tu dois penser à ce qu'il y a de mieux pour toi. Commence le service sans moi. Je reviens. Passe mes amitiés à Sammy et Lincoln. Oui, monsieur. Ça faisait un bail. Un repas chaud, ça met du baume au cœur. Merci. Ça fait plaisir de vous voir. C'est un vrai plaisir de t'avoir ici, Lincoln. Merci. Tout le plaisir est pour moi. Allez, les affaires. T'es à peine rentré quand t'as déjà mis au travail? Ça
Ça me fait plaisir. Ça veut dire beaucoup pour nous. C'est moche de vieillir. Crois-moi, ça vaut pas le coup. Je vais tâcher d'éviter alors. Salut Lincoln. Comment ça va, Jeanne? Oh, ça va. Je suis contente de te revoir, Adelrey. Autant que moi. Tes jolis yeux me manquaient. Eh ben, mes jolis yeux et moi, on crèche chez ma tante en ce moment. Tu devrais passer à l'occasion. J'y penserai. Lincoln, on a des ennuis. Cours, Réjean. Après toi, Sammy est le prochain sur la liste. Pas de balle. Fais chier. On sait plus à rien tirer. Vous devriez avoir honte. Aujourd'hui, c'est le jour où... François Duvalier, qu'on appelle aussi Papa Doc, a été élu président d'Haïti en 1957. Dès 1959, il a créé une police secrète appelée les Tontons Macoute, et les gens ont commencé à fuir. La plupart se sont installés au sud des États-Unis. Parmi les bons travailleurs honnêtes se trouvaient des criminels endurcis. Ils étaient le noyau de ce qui est devenu le gang des Haïtiens. Lincoln a découvert qu'ils s'étaient établis dans les marais, avec à leur tête un homme appelé Baka. Tiens, déjà fini avec le père James? Les Haïtiens nous sont tombés dessus. Il est temps qu'on parle. Dis-moi ce qui se passe. Ouais. Tu as 112 ans. Il y a 6 ou 7 mois, les gens de Delray ont commencé à se faire cambrioler. Du pognon, des bijoux, des trucs comme ça. On s'est vite rendu compte que c'était les Haïtiens. Et ensuite, ces sales crevards ont commencé à voler la loterie. Combien d'argent est-ce qu'ils ont pris? Combien? Assez pour nous foutre dans la merde avec Sal Marcano. Ça fait 3 mois qu'on l'a pas payé. Putain de merde. Si je m'occupe d'eux, on aura le temps de s'arranger avec Marcano, pas vrai? Marcano, je le connais bien. J'en fais mon affaire. Mais cette histoire avec les Haïtiens... ça peut plus durer. Élise et toi, il faut vous en occuper. Comment on les trouve? Dans les années 20, les gens venaient récolter du sel dans le bayou. Ils se sont même construits un petit bidonville. Après la crise, ils l'ont abandonné. C'est le seul endroit d'où ça peut venir. Il va nous falloir des armes et des munitions. Appelle ce numéro. Mais fais ça loin d'ici. Pas question qu'on se fasse tracer. Ou alors, on ratisse Delray. Et on bute chacun de ces enfoirés jusqu'au dernier. Comme ça, on n'aura plus à s'en occuper. Montrez aux habitants de ce quartier des Noirs qui s'entretuent. C'est la dernière chose dont on ait besoin. Non, on fait ça au calme. Loin d'ici. Dès qu'on aura éliminé ceux qui tirent les ficelles, les autres tomberont tout seuls. Crois-moi. Ok, petit soldat. Alors je te suis. Faites gaffe, d'accord? Ces Haïtiens, c'est pas des enfants de cœur. Les sous-estimer serait une grosse erreur. Celui qui répand le sel suscite l'hostilité.